Dans cette concession de la commune de Ndali, dans le département du Borgou, ces femmes travaillent régulièrement pour la transformation du soja en fromage. Un aliment dont l'offre est largement inférieure à la demande dans cette région du Bénin, au regard d'une faible capacité de sa production, due au manque d'organisation et d'outils adéquats de travail. Mais depuis que ces femmes ont reçu l'appui du gouvernement du président Patrice Talon, la production devient de plus en plus intensive et les fromages à base de soja sont davantage disponibles sur le marché primaire et secondaire. D'où l'accroissement du chiffre d'affaires de ces femmes qui, désormais, s'épanouissent de leur activité. Quelques mois après la remise de matériel à ces femmes et personnes handicapées, réunis en groupement, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a effectué une descente sur le terrain pour constater le bonheur qu'il procure aux bénéficiaires. Partout où elle est passée, le constat a été reluisant. Les populations bénéficiaires ont vu leurs conditions de travail et de vie améliorées. Le sourire et la joie sont désormais aux lèvres des femmes qui n'arrivent pas à cacher leurs émotions. On peut aller déterrer 100 lignes de manioc aujourd'hui et commencer par éplucher. Et dans une semaine, s'il ne pleut pas, on peut finir. Alors qu'avant, on fait ça individuellement ou bien même en groupe, on ne peut pas déterrer 25 lignes pour faire ça à la main. Puisque c'est à la main qu'on faisait ça. Maintenant, c'est à la machine. Vraiment, l'État nous aide beaucoup. Et pour la presse aussi, c'est à la main. On met les maniocs râpés là dans les sacs et on transporte les pierres, les grosses pierres pour mettre sur les maniocs râpés. Parfois, ça tombe, ça nous blesse. Et maintenant, on est bien. On met ça dans le sac. Il y a une machine dehors qu'on appelle presse. C'est avec ça que nous travaillons. Ayan chee le soja ba be la koko ni ayan lo yan kinkin ni ni an cheu an ti yan kwa ojo die die la koko a die die ni sin agbajo sin a 40 la je nu egbe ni sin isan social yon ba sa lo an lo ngba isan social an to yin le won che fun bi information ke on pia ba ti pe oga kan won yan wan to akawa won yan fun information ba ka che gba ba ka ri che ba le a ko ni fi wo a oko wa on ba ko ni fi won ikun isa won san on ya logbon adupe lo won pe a ko loku fun. La ligne, ah, la ligne est en bé, elle est fa, elle est 12. En bé, chibi, à ti roba, à ti ao, en bé au fa, à ma vinte, soit du nom, y a joa, au mi de bente, dis-moi. Ici à Parakou, les appuis du gouvernement du président Patrice Talon à travers le programme d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre, FPG, a permis à ce groupement de femmes de s'investir dans la fabrication de beurre de karité. Une activité à laquelle elles s'adonnent au quotidien, ce qui les éloigne aujourd'hui des frontières de la précarité. Ce programme, dont la mise en œuvre a démarré en 2017, est financé entièrement par le gouvernement pour un montant de 8 milliards de francs CFA sur 5 ans. Conformément aux objectifs de ce programme, les bénéficiaires deviennent de plus en plus autonomes sur le plan économique grâce à l'exploitation optimale des potentialités locales qu'elles développent. Cet accompagnement des femmes, des villes et campagnes par le gouvernement dans le cadre du renforcement de leurs activités génératrices de revenus réjouit les autorités locales qui jugent pertinents les impacts socio-économiques que cela engendre déjà sur la population. Ces équipements qui leur sont offerts ont été d'une grande utilité pour elles et ont permis d'améliorer leurs conditions de travail et surtout de vie. Parce que ça leur permet de disposer de ressources financières pour les autres besoins de leur famille. Moi, je n'ai jamais su qu'avec le soja, on pouvait faire beignet. Je sais qu'on fait le lait, le yaourt. Et encore d'autres choses que je viens de découvrir, le savon aux carottes. On voit ça souvent dans les industries plus perfectionnées. Et si déjà, au niveau local, artisanal, nos femmes arrivent à le faire, c'est grâce à ce programme très important du chef de l'État, à cette dotation que l'année dernière, ces femmes ont bénéficié en matière d'équipement pour aujourd'hui se prendre en charge. À Boïcon, dans le département du Zou, les personnes handicapées ont été appuyées dans leurs différentes activités grâce à ce programme logé au ministère en charge des affaires sociales. Comme ici, le propriétaire de ce cheptel qui fait de l'élevage de lapins a vu son activité améliorée.
asoye mi wa fi yo mo ne pra mi mu ko pe to ro mi metin bo so fi to da so me bo no so wa so me kena pe to mi metin bo so fi to do aso pon ko sa bo no so wa so me kena bo mu mi ton mi no mo manifestation pe pe bo no wa ne e wa ndi on mo ina do mo me yo mi ton do po e no bo so ato to bo no yo bo e o sala da yo no bo so sa wi on mo ne le mi no mi na no te ko ne le mi no a kre nde fo le bo no blu mi to ma de fo yo be bo no yin mo le ka C'est un groupement de personnes handicapées qui travaillent sur cet espace à elles réservé. Hommes et femmes, ils font du maraîchage pour subvenir à leurs besoins. Depuis qu'ils ont été appuyés et renforcés en matériel de travail, un changement radical a été noté dans leur productivité. Ils se réjouissent de l'assistance que le gouvernement du président Patrice Talon leur apporte en vue de leur épanouissement. Depuis à son arrivée, Il a pensé à nous et à plusieurs reprises, nous entendons et il nous envoie des personnes ou bien des matériels pour notre avancement. Et je vous remercie parce que cela nous a beaucoup avantagé parce que nous sommes des pères de famille. Il y a certains parmi nous qui sont en location et grâce à ça, on peut payer le loyer. Et certains sont dans sa propre maison, grâce à ça. La spécificité qui réside dans les appuis du gouvernement actuel aux couches défavorisées est de faire en sorte qu'elles sortent de leur situation de précarité. Dans presque tout le pays, les femmes ont été mises au travail et des groupements qui avaient disparu à cause de moyens ont été réactivés. À Savalou, Dassazoumé, Abomé, Kwekame, Diakotomé, zone réputée pour la transformation de manioc en gari, l'appui du gouvernement Talon redonne espoir aux femmes. Je remercie beaucoup le président Talon qui nous a donné des instruments de travail pour le groupement Enagnon. Il nous a donné et on était très contents. Et puis nous avons redoublé d'efforts pour les transformations et les travaux que nous faisons. En entrepreneuriat. Nous avons besoin de nous. Autre du gari et du tapioca, ces femmes produisent également de beignets à base de l'arachide et aussi de l'huile d'arachide. Grâce à leur polyvalence, elles font aussi du savon à partir de l'huile rouge. Les femmes rurales s'épanouissent économiquement grâce aux appuis de ce projet et conformément aux prévisions contenues dans le programme d'action du gouvernement. La joie de travail est généralisée et la couche féminine œuvre sans répit à maximiser son rendement en termes de production journalière. À écouter toutes ces femmes bénéficiaires, les actions concrètes mais discrètes et efficaces du président Patrice Talon ont porté leurs fruits.
Ce programme qui a démarré depuis 2017, juste après le lancement du péager, va prendre fin en 2021. Plus de 2 millions de personnes sont déjà touchées par ce programme à travers les 355 groupements repartis sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit des groupements qui n'avaient rien reçu par le passé dans le cadre de ces coopératives. L'étude de faisabilité a montré que pour atteindre les objectifs, il faut 8 114 990 000. Et le gouvernement, l'année écoulée, a déboursé 1 700 000 000 pour accompagner ces femmes-là. On aurait peut-être accompagné 500 ou 1000 en donnant de petits matériels par-ci, par-là. Mais le gouvernement a choisi doter chaque groupement selon sa spécialité de tout ce dont il a besoin afin maintenant de venir vérifier sur le terrain si la productivité est améliorée ou pas. Et ce que nous avons constaté partout où nous sommes allés, c'est qu'il y a eu rentabilité, non seulement au niveau de la productivité, mais aussi au niveau de la qualité, et surtout dans les ménages où les maris ont témoigné de cet accompagnement du gouvernement, parce que désormais, les femmes ne les acculent plus pour la popote. Une satisfaction de la ministre de tutelle qui n'a pu être cachée au regard de l'atteinte des objectifs envisagés en initiant ce programme. L'autre composante de ce programme d'autonomisation économique des femmes et de la promotion du genre par FPG est le renforcement de capacités des centres de promotion sociale. L'objectif étant de contribuer énormément à la lutte contre les violences basées sur le genre, des séances ont été tenues avec des agents de ces centres en vue d'améliorer leurs conditions d'assistance aux populations. 54 centres ont été outillés et dotés de matériel de travail. Beaucoup sont déjà modernisés, dont les travaux ont été lancés et provisoirement réceptionnés déjà. C'est grâce au gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon que nous avons pu obtenir ce bloc administratif. Depuis que nous étions dans les bâtiments Vestus, même quand les partenaires viennent, ils n'ont pas confiance en nous. Donc c'est tout comme si, en tant que donateur, vous-même, vous n'êtes pas à l'aise et vous voulez aider les gens. Les gens n'avaient pas confiance en nous. Maintenant, nous, agents, auparavant, psychologiquement, nous étions abattus parce qu'on se dit, là où je vais, je ne serai pas à l'aise. Maintenant, par rapport aux usagers, les usagers, quand ils viennent et on dit, c'est le centre qui va vous aider, ça, ils disent, est-ce que avec l'état du centre-là, nous pourrons réellement bénéficier de ce dont nous avons besoin. Le programme de renforcement de capacité initié en 2017 vise à moderniser les espaces publics de promotion du genre et de protection sociale. Au titre de la gestion 2018, ce programme a été pourvu à hauteur de 468 millions de francs CFA. Et nous avons déjà noté, avant le terme du premier semestre, l'achèvement d'un certain nombre de chantiers, notamment la construction du bloc et de la clôture d'un certain nombre de centres de promotion sociale. Je peux citer par exemple le centre de promotion sociale de Misrété, le centre de promotion sociale d'Avrancou et le centre de promotion sociale de Sainte-Cécile, qui ont été achevés et réceptionnés déjà et qui offrent déjà des conditions favorables, des conditions propices pour pouvoir faire face aux cas sociaux que la population pourrait soumettre ou présenter au cadre du ministère qui interviennent au niveau déconcentré. De la même manière, il y a eu un certain nombre de clôtures qui ont été réalisées pour sécuriser ces domaines qui ont été octroyés d'une certaine manière au ministère. Je veux nommer par exemple la construction et l'achèvement et même la réception du centre d'accueil pour la protection de l'enfant de Zanyanando, d'Aoum et d'Agbaïzoum. Nous avons un certain nombre de travaux qui continuent toujours,
toujours pour moderniser un peu les interventions du ministère au profit de ces cibles, toujours par rapport au renforcement des capacités. Ce programme qui vise à moderniser les espaces publics de promotion du genre et de protection sociale continue d'être une priorité pour le gouvernement. C'est pourquoi nous l'avons encore maintenu dans le programme d'investissement public du ministère pour le compte de la gestion 2019. Les actions prévues par le gouvernement à l'endroit des populations se veulent complètes. En dehors des groupements de femmes, d'autres couches défavorisées reçoivent des appuis de l'État. Il s'agit des personnes handicapées, des familles pauvres, des géniteurs, de triplés et même des étudiants qui sont pris en charge par l'État à travers le Fonds d'appui à la solidarité nationale. L'autre réforme phare initiée par le gouvernement pour réduire la peine des populations béninoises est la finance digitale. Désormais, les bénéficiaires de microcrédits aux plus pauvres ne se tracassent plus avant de recevoir leur crédit. La phase pilote de cette innovation lancée dans les 77 communes du Bénin démontre déjà sa pertinence et la volonté du gouvernement à travers le Fonds national de la microfinance de faciliter à tous l'accès au crédit. Chaque fois nous recevons des microfinances, mais cette dernière est spéciale parce que les stratégies d'octroi des crédits et de remboursement est différente des autres. Lorsque nous recevons l'argent, nous pouvons payer quand est-ce que nous voulons. Avant, lorsque nous recevons de l'argent pour payer, il y a beaucoup de problèmes. On finit de payer, on dit de ramener les reçus qui étaient déjà déposés il y a très longtemps. Donc, on avait des problèmes à ramener ces reçus pour vérifier si effectivement on avait payé, soit on n'avait pas payé. Donc, avec cette stratégie, on nous a encore montré des cartes. Avec ces cartes, on peut voyager sans garder de l'argent. Arrivé à destination, si nous retrouvons les agents marchands, nous pouvons retirer nos sous et aller faire le marché et revenir. En dehors de cela, lorsque nous avons la carte et que le moment est venu de rembourser les sous, on peut le rembourser dans n'importe quelle commune du Bénin. Alors, c'est une stratégie qui nous facilite la vie. Donc, je remercie très sincèrement le gouvernement Talon. Ce système permet de faire une finance inclusive respectant les normes, se réjouissent les agents marchands recrutés par les systèmes financiers décentralisés SFD et répartis sur l'ensemble du territoire national. Les responsables des SFD sont aussi heureux car la finance digitale vient réduire leurs difficultés et les risques liés à l'octroi de microcrédit. C'est le moment d'abord de reconnaître et l'importance de la bonne réflexion que le Fonds national de la microfinance a eue en initiant cette innovation. C'est aussi un moment important de pouvoir remercier le gouvernement du président Patrice Talon. C'est très important pour avoir accompagné, disons, ce processus. Il faut dire que même la plateforme, la façon dont ça a été fait, ça a été vraiment très bien réfléchi. Et ce qui est très intéressant, il a encouragé tous les SFD, sinon il a ordonné même au FNM afin que tous les SFD puissent être joints directement à la plateforme de la finance digitale. Ça, c'est très important. C'est un élément important qu'il faut souligner aujourd'hui. Et au-delà de cela, il y a encore la question de l'empreinte digitale que le gouvernement veut, disons, compléter dans ce système afin de permettre aux bénéficiaires qui ne comprennent pas français, au lieu qu'ils passent par le système de code, qu'ils puissent facilement utiliser leur empreinte digitale pour effectuer des opérations. Et ça, je le dis, ce que je dis, c'est parce que j'ai eu, disons, la primeur de l'information. La généralisation n'est plus loin, parce que au niveau du ministère, la fois passée, Madame le ministre nous avait rassuré et elle nous avait aussi demandé de faire en sorte que les enroulements puissent être poursuivis, afin qu'on puisse, de façon globale, permettre à chaque potentiel bénéficiaire de jouir de tout cela. À Kopargo, Basila, Waké, Parakou, Kandi, Dangbo et partout ailleurs dans le pays, les femmes bénéficient facilement des microcrédits grâce à cette innovation de la finance digitale. Elles ne cessent de remercier déjà le gouvernement avant même la généralisation de cette nouvelle option de la microfinance dont les avantages paraissent sans limite. Ce qui se faisait avant, quand tu vas dans un microcrédit, tu t'asseilles
et on te donne l'argent. Toute la population sait que tu as pris l'argent. Quand tu avais quelque chose, les gens viennent vers toi pour dire que tu as pris l'argent, il faut me passer, il faut me faire ci, il faut me faire ça. Mais maintenant, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Parce que ça nous permet maintenant d'utiliser notre crédit comme il veut. Quelqu'un ne peut pas venir pour poser son problème. Kassabo, nous avons un droit à toi, nous avons un peu de ça. Nous avons dit, nous avons un peu de temps. Talon il na sabu boyo boyo noru o kar na tawo il mbe ni karibo il bo ga jisi anchi na noru seri mpe ko tunwe de il man ka ko bana choro se. Le gouvernement, à travers le Fonds national de la microfinance, a initié ce projet pour pallier les insuffisances qui ont caractérisé l'ancien système, un système marqué par un fort taux de déperdition de ressources qui a mis en difficulté pendant longtemps les microcrédits. Aujourd'hui, cette digitalisation empêche la cavalerie financière et assure une transparence dans les opérations. La finance digitale permet de suivre à temps réel les mises en place des crédits. Vous pouvez voir sur le tableau en face de vous, de mon bureau, lorsque je mets à disposition d'un SFD un montant donné, je peux suivre de mon bureau combien il a décaissé en monnaie électronique et qu'est-ce qui lui reste en monnaie électronique. Et après le décaissement, je peux savoir le retrait effectué par chaque femme. Parce que après la réception de la monnaie électronique, il faut que le bénéficiaire puisse monnayer, puisse transformer cette monnaie électronique en monnaie fiduciaire. Donc, nous avons l'assurance que les sous que nous plaçons, que nous mettons en place aux bénéficiaires, nous avons l'assurance de pouvoir les suivre de façon transparente, de savoir qui a pris, qui n'a pas pris. Il y a une localisation qui nous permet de réduire de façon drastique les impayés à l'avenir. Les défis actuels dans le secteur de la microfinance sont en train d'être relevés tels que voulu par le gouvernement. Ainsi, la réduction de la pauvreté devient progressivement une réalité dans les villes et campagnes du Bénin, aux réformes et projets initiés par le gouvernement dans le secteur du social. L'objectif du gouvernement, c'est de sortir les populations de la précarité. On ne peut en aucun cas laisser les gens végéter dans la pauvreté éternellement. S'ils ne savent pas faire quelque chose, on leur apprendra à faire, à mener une activité génératrice de revenus. Je crois que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits parce que ces femmes-là même ont témoigné de ce que les biens acquis, les biens reçus, les équipements reçus, leur sont d'une utilité. Au-delà de ça, on les aide également en matière de renforcement de capacité, leur apprendre à gérer, leur apprendre à mieux faire ce qu'elles produisent. Ceux qui reçoivent ces biens sont reconnaissants au président Patrice Talon, qui, je ne vous le cache pas, souhaiterait qu'on travaille comme si on n'était pas sur le terrain, mais que les biens aillent vraiment à l'endroit des bénéficiaires. Il dit, tant que les bénéficiaires sont satisfaits, lui-même se sentira heureux. On n'a pas besoin de tapage. Généralement, c'est des crédits légers de 6 mois. Et dès que vous finissez de payer les 6 mois, si vous êtes un bon client, on peut vous octroyer encore ou même vous faire gravir des échelons. Donc c'est l'occasion donc de dire aux gens de s'organiser, de ne pas attendre que le ministère vienne leur donner, c'est à eux de s'organiser et d'aller vers les SFD. La vision du gouvernement est de renverser totalement la tendance. Tout Béninois doit se sentir concerné par les œuvres sociales et en bénéficier. L'objectif à terme est de réduire sensiblement le taux de pauvreté au Bénin. À cet effet, un vaste projet entièrement destiné au bien-être de la population est contenu dans le PAG. Il s'agit du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche.
C'est le plus important projet en matière de protection sociale du gouvernement béninois qui vise à offrir un paquet de 4 services que sont la formation, l'assurance maladie, le crédit et l'assurance retraite orientés vers les acteurs du secteur informel. Et une bonne part du projet est prévue pour être orientée vers les populations les plus démunies et du secteur informel. Et nous avons déjà identifié près d'un demi-million de Béninois en situation de pauvreté extrême qui pourraient bénéficier des services d'assurance maladie dans le cadre du projet ARCHE. Depuis la validation du document de projet, nous avons eu à mener un certain nombre d'études techniques pour pouvoir répondre à des détails dans le cadre de l'opérationnalisation et de la mise en œuvre du projet. Les études ont été bouclées et c'est pourquoi nous pouvons aller vers la phase pilote. Les premières estimations donnent un montant de l'ordre de 313 milliards de francs CFA comme coût du projet sur une période de 5 ans. Et au terme de cette période, le projet aurait installé des institutions comme l'Agence nationale de protection sociale qui pourraient assurer la pérennité des services, la durabilité des services d'assurance maladie, de formation, de crédit et d'assurance retraite à l'intention de toutes les populations béninoises. La phase pilote de ce projet porte sur l'assurance maladie et prend en compte 3 zones sanitaires. Il s'agit de la zone Abomey-Calavi-Souava, la zone d'Assazoumé-Glazoué et la zone Djougou-Wakeko-Pargo. Par ailleurs, près de 100 milliards de francs CFA vont être injectés dans le crédit géré par les services financiers décentralisés, partenaires du Fonds national de la microfinance. On peut être fier que le Bénin est en train d'innover à travers ce projet. Dans la sous-région ou dans d'autres zones de l'Afrique, il existe des projets, mais pas totalement similaires, des projets qui cumulent 2 produits, par exemple, l'assurance maladie et l'assurance retraite. Mais la première initiative tentant de cumuler un paquet de services de façon synergique à délivrer vers une cible précise, c'est la première initiative connue dans la sous-région et voire même très loin et au-delà de l'Afrique. C'est la première initiative. C'est pourquoi très tôt, nous avons obtenu l'appui des partenaires techniques qui ont vu l'idée très intéressante et crédible et qui ont décidé d'accompagner le projet ARCHE. 2 ans après le lancement de son programme d'action, le gouvernement peut se féliciter d'avoir impacté la vie des populations à travers plusieurs projets et programmes socio-économiques.